Mesdames, mademoiselles et messieurs, yon gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de à qui l'est ou à regarder ou tendez nous, jeudi 11 mars 2023. C'est toujours avec un même plaisir à toute équipe là à la ronde badet. Nous comptons entrer la caillou à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Jean-Noël, dans cette vidéo, nous allons parler sous dossier insécurité en Haïti. Bagay sa fait en pile tollé sous réseau à côté gayon commissaire de police qui fait une gros action les rivé éteint sauf plusieurs bandits qui t'apprale attaquer yo mais gay en pile version sur internet là gay version qui dit c'est la caille commissaire yo touye des chiens avant même yo t'arriver attaquer là. Et il y a une version qui dit que le commissaire a tué environ 15 personnes. Mais dans la vidéo, ça, nous allons inviter vous suivre avec un pile attention côté où vous pouvez joindre tout détail sur ce qui est arrivé dans Thomasin Lacaille, commissaire de police, que nous connaissons qui est extrêmement fragile ou bien nous capable de dire qui est exposé dans le moment de parler. Faut qu'un pile monte qu'à gagner réserve pour bail information ça parce que les qu'à mettre la vie commissaire en danger. En même temps, on a profité mandé toute responsable pour augmenter sécurité commissaire et pour commissaire lui-même les capables très prudent parce que bandit eux-mêmes ils prennent un gros coup, ils pas prêté comme ça, ils replient mais là ils retournent si pas gain bon disposition. Lorenza ou bien action sa commissaire à faire li gen doit par là pour le temps c'est ça que fait n'a demandé avec tout le monde qui peut-être a partagé image commissaire non nan poste côté lia faut que nous très prudent parce que information ça capable contribuer avec bandi pour arriver sur commissaire. Mais avant même que nous inviter ou suivre yon responsable qui t'a porté plus détail n'a seulement pour quelques secondes seulement pour inviter ou abonnez avec Chanel Info 24 là, songez pour activer cette cloche là pour qu'à toujours connaître à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Quittez un like dans la vidéo, quittez un commentaire, c'est un plaisir pour nous échanger ensemble avec vous et vous calaguez vidéo ça sur plusieurs groupes tout côté vous capable de joindre deux trois grandes familles amis qui intéressés avec information à partager. Non seulement ça a aidé plus monde informé et c'est comme ça tout ça a aidé nous avancer, n'a encourager chaque jour pour nous travailler, chercher pour toute dernière information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, tant qu'à l'étranger, sur les plans politiques, économiques et sociaux. Oui, parce que nous avons senti parler de ce qui s'est passé hier soir là, puisque j'étais pendant la vie, c'est son monde que je travaille avec depuis 12 ans, je me travaille avec. Ans, la police n'est pas dans la ville. Et donc, c'est un chef que nous pratiquons, que nous connaissons très bien, puisque j'étais responsable de droite, que moi, j'ai fait partie de Team Zars. Et pour le moment, j'étais responsable de ces BIM, mais merci pour l'invitation. Oui, mais nous vous remercions tout parce que vous connaissez pour nous Lionel Lazare. Alors, Gilles, je m'appelle, c'est vrai, peut-être, Gilles Lazare, soit, qu'on a une uniforme là, police sous lit, comme coroner de Sénapora, syndicat police nationale d'Haïti, mais son ancien journaliste, dégagé avec Lionel Lazare. Lazare, dis-nous, ça passe pas dans la boule douce. Bon, effectivement, j'ai côté recevoir la nouvelle là, c'est pour ça que tu recevras tout, mais puisque nous-mêmes, on connaît des groupes policiers, surtout, il y a un groupe, c'est policier BIM seulement qui fait la parole. Une information, côté que mon groupe, M. Armé, qui était apporté pick-up, qui était attaqué. Le commandant Xavier Seyid dans Thomasin 25, plus précisément dans la zone Sasson, je crois, Sasson, ou bien Baba, tellement maîtrisé, dans la zone Nambien. Non, il est Sasson, c'est là que Pierre était. Effectivement, il était aux environs de 9h du soir, l'un des informations, côté que nous avons dit qu'il a attaqué
et la CAI, commandant. Mais nous-mêmes, nous avons cherché. Commandant Xavier? Xavier, c'est commissaire d'Amérique. Commissaire divisionnaire. Effectivement, nous cherchons information pour nous déconner qui ça va gagner. Monsieur, bon, si un pile mon image qui a fait sur les réseaux sociaux, et bien, monsieur était à bord du pop, les attaqués ont premier CAI qui en face CAI commandant qui c'est Caillon Pasteur, je crois. La parole. Ils ont crasé barrière la Caillon Pasteur, ils ont tué chien dans la cour Pasteur. Et puis, monsieur, la Caillon Commandant, tout, ils ont crasé barrière et la Caillon Commandant, ils ont entré la Caillon Commandant. Monsieur le commandant, ils avaient essayé qui se soumêle, eh bien, ils ont monsieur Monet, bien sûr. Ou qu'à imaginer, on moune la carou pour quoi, et puis, pour ce qu'on s'est passé, et bien, commandant Xavier, c'est défendu, et tout, ouais, que commandant défendu. Et, pour tout, d'autant, commandant Xavier, c'est de, son monde qui prend l'essentiel dans la Bible, elle fait intégrer la police, puisque son monde qui fait formation en Équateur, Colombie, tout ça. Bien que la police a dans BIM, et jusqu'à présent, l'inambim, son j'ai qu'elle défendit en Gonaïve, après elle devient responsable du CMPAP, pour le moment, lui, et c'est BIM, c'est commissaire divisionnaire. Alors, ça passe, hein, c'est à côté que nous-mêmes, non seulement en tant que policiers, en tant que Sinaboato, nous, félicitons les commandants, nous, comme nous, que madame, de une chance de parler avec le commandant de la DCI, pour moi, et par pour ça passé à pour me déporter tout mot de confort ensemble avec lui. Ça sont gros bagages que lié et côté que commandant avec équipe lui, puisque lui s'est gagné le commandant. Mais avant ça tout commandant que lui fait tout ça passé. Et c'est pour montrer que je dis à la situation est vraiment compliquée, vraiment difficile. Une grosse action qu'on s'est passée, pour que nous, fiers de commandant Xavier Céline, et combien l'autre policier, tout qui n'a même trop avec le responsable Céline, là, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Là. Et l'idée, c'est tombé, monsieur Okoui, vous faites tout ça, vous pouvez faire, ou abgadez des petits au côté, que monsieur Soubaï qui vraiment très difficile, vous entrez dans la chambre, commandant. Vous supposez bien être qui mourit, commandant, vous mourit. Qui donc, pas gagné, qui est capable d'empêcher le responsable à mourir. Yeah. Mais le responsable à lui-même qui soumèle, eh bien, lui mettez dans le monsieur. Je dis, hier soir là, ça n'a pas fait hier soir là. Mm-hmm. Et donc, nous-mêmes, nous croyons que c'est un bagage qui fait. Est-ce que ce n'est pas pour la première fois depuis l'heure que nous, dans la police, nous tendons, on s'est passé, on s'est dit, mais bandit. En parlant de ça, et là, Lionel Lazare, et peut-être où c'est le coordonnateur général Sinapoa, syndicat police nationale d'Haïti. Et peut-être qu'il y a des mots, ça a dit sur les réseaux sociaux, parce que n'a pas la réponse officielle à soi. Effectivement, combien de monde et commandant Xavier Seyid stoppé qui fait attaquer stoppé. C'est la police qui a dit là. Combien de monde qui stoppé? Bon, surtout que nous, on ne peut pas être sûr. Il y a des monde qui dit 14, des monde qui dit 15. Il y a des gens qui disent que c'est vieux. Vous parlez avec le commandant Seyid, combien qui est stoppé? Moi, parler avec le commandant Seyid, il n'y a pas de chance pour le dire exactement qui est stoppé. Mais c'est sûr que je vais parler ensemble avec lui. Il dit mon cher Lazare, merci pour appel là. Tout le monde en forme, mais nous défendons, nous regardons tout ça, nous sommes capables de faire, mais il y a plusieurs qui mortellement est blessé. Donc, c'est pour ça la police est utilisée. Mais nous, commandant Seyid, s'il vous plaît. Est-ce que son responsable, est-ce que son sévagent, c'est vous qui sont CD, un commissaire divisionnaire? Sinon, parce que c'est les gens qui sont présentez-nous, commandant Seyid, Xavier, s'il vous plaît.
Bon, moi, je pense que tu as parlé de ça me connaît de commandant Zabiseïd, mais puis bon, puis tout, bon, ensemble de bagaille tout, puisque nous sommes sur la radio, peut-être que pas bagaille que vous parlez. Et bon, Lionel Lazare, bon, vous voyez, là, ne va pas la réfondre le BSUA directement. On homme qui pose une action, pour ça. Je ne sais pas si je suis là, peut-être que vous parlez de chiffre là. Et moi, il est en pile. Et moi, il est en pile, le commandant. Et moi, il est en pile. Moi, il est en pile. Moi, il est en pile, commandant C.I. Xavier. Pour me garder qui ça chiffre là est exactement. Nous pas arrivé, je ne me comprends tout. Je vais parler avec vous. La police là va vous parler. C'est l'autre information que je gagne. Li défend tête li quand pile moun ki tombe parle avec un pile moun la boule douce parle avec un pile moun la boule yo dit c'est vous crachez nèg gam qui t'attaque et zone là et commandant Seib li même li défend tête parle et des moun la police là yo même yo stopé mais à soir Jean Baptiste nous parle de pile moun commandant Seib Xavier son nèg jodi France LP. Le directeur général de la police là, doit parler avec elle pour nous garder plus en date. Dernière fois, moi, je suis avec Jacques-André Jean-Pierre. Je crois avec Jacques-André Jean-Pierre. Quand pile monde dans la police là, quand pile monde dans la police là, qui voulait aider, quand pile monde qui voulait aider, commandant CI de l'autre, Lionel Lazare, il pas de monde avec elle, mais il stoppé pour quantité de monde. Qui t'attaque les zones côté de l'ETA, notamment la Kaili. Oui, effectivement. Effectivement, Jacques Mdoula, il a stoppé une quantité de monde, bandits qui étaient attaqué la Kaili. Jean qui a dit là, je pense que c'était parce que la direction générale de la police était une information. Nous croyons que le commandant Xavier Seyi méritait une décision. Monsieur Lazare, monsieur Lazare, vous êtes un syndicaliste, vous êtes policier, mais selon vous-même comme policier, de votre lieu de policier, ça qui explique que PNH jusqu'à présent, et avant l'émission, ça me parlait avec plusieurs policiers, avec gros responsables, dont porte-parole là, et monsieur Desrosiers, qui confirmait avec moi que l'hypoco gain autorisation pour parler sur ça. Ça qui explique selon vous-même, et près de 24 heures après ça qui passait, la police a arrêté silencieux son action comme ça, qui provoquait une vague de sympathie, une vague d'émotion dans la société par rapport à commissaire Seïd Xavier. Bon, moi, je pense que, depuis que la police a senti. Hiérarchisé que j'ai porte-parole la police là après que j'ai capable de monter radio pour parler de bagage comme ça qui passe sans que j'ai pas gagné des données fiables dans même sans que et peut-être qu'il a une autorisation tout pour le parler. Tu vas oublier que l'on porte-parole de situation folguin assez argument folguin ensemble d'éléments d'information en mail pour être capable de parler de bon, puisque nous-mêmes nous c'est policiers nous c'est des syndicalistes qui ont des informations que nous capables de gagner dans quatre contacts nous dans quatre démarches que nous faisons mais qui est différent de porte-parole la police là. Moi-même Lionel Lazare coordinateur général Sinapoa porte-parole là Molan Justin Loubin bon est-ce qu'on a besoin de prendre la parole pour nous demander supérieur nous pour nous prendre la parole non et donc pour même des informations que nous sommes capables de partager mais je vous dis à la Sinapoa au sympathie du bail commandant Zaki acte que les commettent là. Et vous regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde. Vous dites, c'est parti là, mais est-ce que le commandant Xavier, il y a des gens qui non, pas. Alors, en fait, sur solidarité, vous devriez dire. Solidarité. Encouragement. Effectivement, c'est côté solidarité. Nous encourager le commandant Xavier, parce que son monde que vous connaissez très bien, Jacques Mdoula, le commandant Xavier, il était de BIL en 2007, il était pour graduer avec BIL, il fait presque toute carrière dans BIL, son ancien directeur général Léon Charles, qui était voué la Tibonite, de la Tibonite,
il est entré Port-au-Prince, je vois le commissariat de Port-au-Prince, le commissariat de Port-au-Prince, il était commissaire principal, il est commissaire divisionnaire, je vois lui responsable. Et donc, son monde que je connais très bien, il était responsable de moi, il était administrateur, il était CD, puisque même pas dans le BIN encore. Donc, son monde que je connais très bien, c'est un travailleur, son combattant, son monde qui principe, son monde qui connaît notre discipline. Et son monde tout, c'est l'homme mouillé, ou toujours une guerre des petits critiques, ou toujours une guerre des petits frôles, des fois, à chaque fois que vous mettez l'ordre, à chaque fois que vous mettez principe, soit dans une unité ou bien dans une institution, qui donc, nous prenons la capacité, commandant, d'ADCI, ça passe à moi-même, il n'est pas trop étonné, même il n'est pas étonné, non, c'est parce que, moi, on est que, qui pas victime n'importe qui, genre. Qui a toujours victime, oui, mais depuis ce côté qui est côté pour le défendre, de pas l'espace pour le défendre, commandant a défendu, Jean-Teboula, c'est pas un policier comme ça. Donc, c'est un monde qui a des formations spécialisées, qui donc, commandant, quel que soit par son rang, ne vous pas prendre pas surprise, commandant Xavier Seri a défendu. Quand même, tout policier qui pratique connaît ça. Tout responsable dans la police qui pratique le connaît qui est lié, c'est une bagaille qui fait que les autres disent qu'ils ont attaqué le commandant Xavier Seyda. Bon, dans le cas d'attaque, capable de n'importe bagaille qui passe, mais l'endemine d'informations que le commandant dit bon, c'est le temps. Monsieur Lazare, est-ce que vous capable de confirmer pour dites-toi à Boukanté Lavalin que le commissaire Xavier Seyda recevoir Bacop de BI et All Black? Bon, moi, pas te rentrer dans tout détail, ça, pour moi, c'est ma défense, que y en a sauf que je connais, le commandant, c'est qu'il y a des appels, peut-être qu'il y a un fond qui t'est porté, par le commandant. Bien que, qui t'est porté d'aller, mais sauf que moi, connais, le commandant est en danger, et par la suite, il y a un backup, il y a un fond qui t'est porté avec. Eh bien, merci oui. Monsieur Lazare. On va aussi Ismaël, une question pour vous, Ismaël. Alors, ça me plaisir, mais je veux ça, Jean-Baptiste, si c'est vous qui vous commande dans notre studio, et nous fait ça nous capable pour nous présents. Et Franzel B, ça qui passe là. Mais là, ça me demande où c'est la boule combien ça va faire? La boule est Thomas 25, je crois. Thomas 25. C'est hier soir. Hier soir, aux environs de 9h. C'est des nègres à qui attaquaient les hommes. Et puis, le commandant, c'est Xavier riposté. Bon, je pense que si c'est. Parce que bon, est-ce que le commissaire a une menace sous lui, M. Lazare? Il bat tout ça, on parle avec lui. Alors, puisqu'on connaît que le commandant était dans une zone, surtout zone Thomas, il est un petit genre difficile. Parce que qui s'allie, n'est-ce pas identifier tout côté que le policier était pour capable d'attaquer, pour capable de parler terrain, pour capable de jouer un espace, pour capable de faire ça, pour le faire. Sans doute, peut-être qu'il y a des informations quand même de que le commandant était. Et puisque il y a des informations de au côté commandant arrêté, bien, n'est-ce pas attaqué. Parce que qui t'a dit, si ces zones pour attaquer, on va croire que vous êtes ciblé le commandant directement. Si vous regardez que des gens qui mourent, c'est dans la chambre commandant que vous mourrez. C'est oui. Pour vous que c'est une attaque ciblée qu'il dit. Ok, son attaque ciblée qu'il dit. Oui. Le crâne, la pierre, la caille. Donc, c'est combat qui fait comme ça par hasard. Monsieur Talé, monsieur Ali a attaqué le commandant à un seul objectif pour être capable d'éliminer le commandant. Peut-être que le commandant n'a pas représenté une menace pour vous dans la zone. Et à ce moment-là, tout le monde son appel dans le directeur général de la police, à toute autorité au niveau de la police. Pour nous faire connaître que chaque passé, il ne faut pas prendre. Chaque passé, il ne faut pas prendre à la légère. Puisque la vie commandant, c'est toujours un jeu. Qui ont pris toute disposition pour le protéger, pour le renforcer. Mais Xavier, alors, Xavier, la demande,
qui est responsable de commandant dans ce pays? Alors, responsabilité. Alors, c'est lui-même qui a dirigé le non. C'est lui-même. Ah, c'est lui qui a dirigé le non. C'est lui qui a dirigé le BIM. On nous félicite le commandant Gino Jean-Baptiste, c'est lui qui a dirigé le BIM, qui est toujours en force de sécurité. Mais ça veut dire, Gino Jean-Baptiste, avec nous, on est là pour le commandant Xavier Seyid. Et moi, toujours dit, et intervention fait là dans le bourreau de la parole, à soi. Gino, c'est vous seulement qui l'a soué. Émission, c'est émission pour lier. Vous choisissez pas ni moins. Il a à parler. Déjà pas guerrier, il parle. Nous devons la soué. Et France LB, vous avez des profils souvent. Vous sont jeunes gens. Vous êtes ces gens du Sud. Est-ce que vous avez dit que ces gens du Sud qui sont dans le pays? Est-ce que pas les gens du site France LB pifouer quand on sortit belle chemise, belle timonte, belle chinese dans bio, nous aimons en pile, pays aimons en pile. Mais commandant Xavier Seyid, qu'on responsabilité du grand pays. Commandant Seyid, qu'on responsabilité du grand pays. Et vous gardez la parole, m'a dit ça, soyez. Et si Frantel de m'appelle, Gino Jean-Baptiste, nous allons demander Frantel de remettre des missions. L'on est campé. Je ne sais pas qui moi l'utiliser, Gino Jean-Baptiste. Mais ça, munitions, munitions. Quand c'était monde, quand c'était eux, ils stoppaient eux. Frantel de comme directeur général de la police. Xavier Seyid de qu'on responsabilité en d'un pays.